Oh, my God.
Que le Seigneur vous bénisse. Wanami bariki. Nous vous saluons ce soir dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous lisons les remerciements et requêtes. Le frère Béa Kaembe Crispin. Et la sœur Bilonda remercie le Seigneur pour le bon séjour passé au milieu de nous. Ils sont rentrés depuis hier à Kananga. Le frère Mukadi remercie le Seigneur pour avoir retrouvé son fils de 2 ans. C'est-à-dire pendant qu'on l'a cherché, il y a une fillette de 6 ans sourd-muette qui l'avait prise et qui allait dans une direction où il ne savait pas. C'est ainsi que la fille a été retrouvée et le frère Patrick remercie le Seigneur pour cela. Le frère Patient Louanga remercie le Seigneur pour avoir guéri son petit frère dont le bassin était fracturé après une chute au poteau électrique. Le frère Jérôme Tonkole remercie le Seigneur parce qu'il vient de totaliser 50 ans d'âge. Le frère Shadrach Bingila remercie le Seigneur pour la protection lors de son déplacement de Tenke à Lubumbashi. Le frère Jonas Balinda de Goma remercie le Seigneur pour la protection lors de son déplacement de Goma à Lubumbashi. Et salut les saints au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le frère Jonas, c'est ce qui peut se lever. Ainsi que le frère Shadrach qui est venu de Tenke. Les deux sont là. Nous pouvons les saluer en agitant la main. Okay. La sœur Mianda Marceline remercie le Seigneur pour sa protection de Kalemi à Lubumbashi. Que la sœur se lève ici dans la salle. Sœur Mianda, levez-vous. Elle est quelque part. La sœur est là. On peut aussi la saluer en agitant la main. Nous avons des salutations. Nos frères du village de Kifukula nous ont salués au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les frères et sœurs du tabernacle de Mimbulu, village, aussi nous ont salués au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le frère Maneno, pasteur du tabernacle de Kalemi, nous avons aussi transmis ses salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Requête. Le frère Ogi Kalonji demande la prière en faveur de son enfant qui est malade. C'est pour que Dieu le guérisse. Le frère Patrick Mukadi vient de passer des tests médicaux. C'est pour l'embauche. Il demande la prière pour que tout se passe bien. Le frère Patrick Azadi a besoin du travail et de la guérison de son petit frère qui est malade. Demande la prière pour ces deux choses. Le frère Lambert Bukasa sollicite la prière des saints pour que Dieu le guérisse parce qu'il est malade. Nous vous invitons à vous lever. Nous allons lire une portion de la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 18, verset 21 à 22. Matthieu, chapitre 18, verset 21 et 22. Alors Pierre s'approcha de lui. C'est-à-dire qu'il s'approcha du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Amen. Pour nous entendre un cantique.
prions tous ensemble. Notre Père et notre Dieu, puisses-tu pardonner toutes nos faiblesses de la journée. Nous remercions du fond du cœur pour nous avoir gardés depuis dimanche jusqu'à aujourd'hui. Et nous venons de lire les hauts faits que tu as fait parmi tes enfants. Merci Père. À santé, Baba, pour avoir fait cela en notre faveur. Maintenant que nous venons de lever nos voix vers toi, nous venons aussi de lire les besoins de tes enfants. Nous abandonnons entièrement entre tes mains. Nous demandons à notre Père que tu puisses répondre à chacune de nos requêtes. Bénis et assiste notre frère qui va nous parler de ta part. Bénis aussi chaque collègue qui va entendre ta part. Nous remettons entièrement entre tes mains. Sois avec nous du début jusqu'à la fin de ces services. Nous te l'avons demandé ainsi. C'est ton nom précieux. Notre Seigneur. Et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter pour la gloire de notre Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Yesu nipai gagani pani apa tena kamine dira yeye tabuna machozi ila mwisho ata nikiishi bila Yesu
l'a vu annoncer le dimanche. Savle tulimitangazi ya siku ya yenga. De notre frère Alexis Bwanga de Lubumbashi. Nduku yetu Alexis Bwanga wa pa Lubumbashi. Il va nous apporter la parole de Dieu. Jo tatubiri neno la Mungu. Nous saluons l'Église cet après-midi ou ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes contents d'être venus dans la maison du Seigneur pour écouter sa parole. Sans pour autant tarder, nous vous invitons à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel makumita tunasita. Le verset 25 à 27. Musaro makumbili na tano paka kumbili na saba. Je répandrai sur vous une eau pure. Tamimimilia maji safi. Et vous serez purifiés. Na mtasafishwa. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Nitamisafisha toka mabuchafu yenu yote na kutoka masanamu yote. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Tampadishaka moyo mupya na nitaweka ndani yenu roho mupya. Et j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Natatoshaka mumili yenu moyo wa mawe. Et je vous donnerai un cœur de chair. Natampadishaka moyo wa mnofu. Je mettrai mon esprit en vous. Nitaweka roho yangu ndani yenu. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Na nitafanya kimi mpate kuanza kufuata maagizo yangu. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Mpate kushika na kutumikia sheria zangu. Tel que je suis sans rien un âme. Sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi. Agneau des dieux, Seigneur Dieu et notre Père, Baba Mungu, cet après-midi nous te disons merci. We bwana wetu mangaribi tunasema asante. Merci pour ta protection. Asante kwa vile ulituchunga. Et merci pour tous tes bienfaits. Asante kwa ulitufanyizia. Merci aussi de nous avoir réunis dans ta maison. Tena asante kwa vile ulitukusanisha mnyumba yako. Pour que nous venions écouter la parole de Dieu. Tupate kusikia neno la Mungu. Seigneur, nous sommes venus. Tunakuja hapa bwana. Pas pour voir un homme. Ena joko na mtu. L'entendre nous parler. Mais nous sommes venus te voir, toi. Nous sommes venus t'entendre. Alors descends, Seigneur. Chukabasi bwana. Et parle-nous. Pour que notre joie soit parfaite. Bénis ta parole que nous venons de lire. Nous nous attendons à toi du début jusqu'à la fin. Au nom précieux. Et notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Mbariki, mwikale. Nous allons parler sur un cœur nouveau et un esprit nouveau. Na au verset 26, la Bible dit: je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre.
Et je vous donnerai un cœur de chair. Lorsque Dieu avait créé l'homme Adam, il l'avait placé dans le jardin d'Eden. Et Dieu avait donné un commandement à Adam. Et Adam était tenu de garder ce commandement-là. Adam a kufata pour être en paix tous les jours de sa vie avec Dieu. Et Adam a gardé cela. Adam alichunga kaili amri tous les jours de son état de célibataire. Alikuwa kaye moya. À chaque fois dans son cœur, il entendait cette parole de Dieu là vibrer. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Adam? Mungu alimwambia kanini Adam? Tu pourras manger le fruit de tous les arbres du jardin. Utakula kama tunda miti yote ya bustani. Mais quand au fruit de l'arbre qui donne la connaissance du bien et du mal, lakini kwa ajili ya ile tunda ya mti nyiko naleta kujua mema na mabaya, je t'interdis de manger ce fruit là. Na ukatala usikukataza usikule ile parce tunda. Parce que le jour où tu en mangeras, kwa sababu ile siku utakula ile tunda, tu mourras. Utakufaka. Tu mourras certainement. Kwa kweli utakufaka. Quand Dieu parle, wakati Mungu yuko anasema, il faut prêter attention. Et surtout quand il insiste. Genèse chapitre 2. Tu ma Biblia yetu kitabu kya mwanzo sura ya 2. Mstari wa 5. Le verset 15. Mstari wa 15. À 17. Mpaka wa 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Yova Mungu akabeba mtu akamweka bustani ya Edeni juu ya kulima na kuichunga. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Yova Mungu akamwambia mtu hivi. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Adam a gardé cela tous les jours de sa vie de célibataire. Parce que de cela dépendait sa vie. Il a veillé sur cela. Précieux frère, c'est ce qui se passe dans les cœurs de véritables croyants. Un enfant de Dieu. Mtoto wa Mungu. Présenter seulement la parole de Dieu, c'est fini. Kama namuletea tu neno la Mungu inaenea kwake. Ne faites pas la police derrière lui. Usianze kumfata fata. Est-ce qu'il va tomber? Jatanguka. Est-ce qu'il va briser la parole? Jatavunja neno la Mungu. Non, il ne brisera pas la parole. Hapana, mtoto wa Mungu atavunja neno. Il veille sur cela. Eko na kesha pa neno ya Mungu. Amen. Amen. Même s'il s'est déplacé, atakama na safiri. Même s'il allait dans un lieu où personne ne le connaît, atanenda le fasi batu bata bamujui. Il ne va pas profiter de l'occasion. Atasema juko kule njoo atende zambi. Si on ne me connaît pas, ili ama nijui huku. Je peux profiter? Non. Na chukwe bata kutenda zambi, atafanya vile. Comme on ne me connaît pas ici, ça veut dire que je peux faire tout ce que je veux. Non. Parce que dans son cœur là, il entend la parole de Dieu retentit. Il dit ça, tu ne peux pas faire. Ça, tu peux faire. C'est comme ça que les enfants de Dieu vivent. Vous n'avez pas besoin de les surveiller ou d'appeler les gens là-bas. Il y a un autre frère qui vient. Veillez sur lui. Non. La parole de Dieu veille déjà sur lui. Mais il n'en est pas ainsi. Lakini aina vile vile. Avec le ramassis. Ils viennent à l'église pour qu'on le voie. Ils sont chrétiens. Seulement à l'église.
Il salue les pasteurs avec beaucoup de respect. Il salue les pasteurs avec beaucoup de respect. Quand il entre dans l'église, c'est un véritable saint. Quand il entre dans l'église, il lève les mains pour prier. Ce n'est pas mauvais de lever ses mains pour prier. Le problème, c'est ce qui se passe dans ton cœur. C'est ça le problème. Mais un homme comme ça, lorsqu'il quitte Lubumbashi, par exemple, et qu'il va, je ne sais pas moi, où on ne le connaît pas, ce sont des scandales en scandales. Parce que là maintenant il va dire, ouf, ici on ne me connaît pas. Alors je vais profiter de ma vie comme je veux. Mais pour un chrétien, il n'en est pas ainsi. Adam a veillé sur cela tous les jours de sa vie de célibataire. Jusqu'à ce qu'un jour Dieu lui donne une femme. Et un jour, cette femme-là était seule. Na siku moya bibi alikuwa peke yake. Loin de son mari. Alikuwa mbali ya bwana yake Adam. Alors le serpent est venu. Nyoka akakuja. Et il a semé les doutes dans la femme. Akapanda shaka ndani ya mwanamke. Il a donné le fruit que Dieu avait interdit à l'homme de manger à la femme. Nyoka akampatisha le mwanamke ile tunda Mungu alikataza basikule. Et la femme a mangé. Akisha mwanamke akakula ile tunda. Et quand il rentre venant en présence d'Adam, Adam réalise que sa femme commençait maintenant à beaucoup parler. Pendant que Dieu avait donné cet ordre-là à l'homme, la femme elle n'était pas là. C'est l'homme qui a maintenant instruit sa femme au sujet de la parole de Dieu. Mais l'homme s'étonnait pendant que sa femme lui expliquait des choses. D'où est-ce que tu tires tout ça? C'est ça, Hongari qui blé. Il y a quelqu'un qui a déjà eu la connaissance, un rusé. Alors Adam, Adam, par amour qu'il avait pour sa femme, comme il ne pouvait pas laisser sa femme seule, lui aussi, il a pris de ces fruits-là et il a mangé. Il est allé se cacher parce qu'il s'était rendu compte qu'il était nu. Et quand il était nu, on ne pouvait pas se tenir en présence du Seigneur. Et Dieu est venu. Il les a entendus. Il a maudit le serpent. Il a mis Adam sous ses responsabilités. Eve sous ses responsabilités. Et après cela, Akisha, il les a chassés du jardin d'Eden. Amen. Amen. Dès ce moment-là, où l'homme avait brisé la parole de Dieu, automatiquement quelque chose avait changé en lui. Ce n'était plus cet Adam obéissant. Ce n'était plus cet Adam qui craignait Dieu. Cette fois, c'était un pécheur. Adam, il est devenu prédisposé au mal. Il ne pouvait plus obéir à Dieu. Il ne pouvait plus comprendre la parole de Dieu. Il est devenu étranger à la loi de Dieu. Dieu l'a chassé. Et il s'est vendu au péché. Nakisha, akaza kutenda zambi, akajuta kuzambi. Il est resté esclave du péché. Akawakia sasa mutumwa wa zambi. Et il est devenu ce que la Bible appelle l'homme naturel.
Na akakuwa sasa mtu wa kimwili sasa vile Biblia inasema. Ou encore le vieil homme. Akakuwa sasa au ule mtu wa zamani. Cet homme qui est lié à la chair. Ule mtu anapenda tamaa yetu ya mwili. Il n'a plus rien à faire aux choses de Dieu. Apendi tena bitu ya Mungu abimustushi tena. Et Adam lorsqu'il a tombé dans le péché. Wakati Adamu alimkoka mzambi. Il avait entraîné toute la race humaine dans sa chute. Alipeleka watu wote mzambi. À tel point que Mukipimo, même ceux-là qui n'avaient pas été là ce jour-là sont coupables même aujourd'hui par la transgression d'Adam. Même les bébés qui sont nés aujourd'hui, ils sont aussi coupables. C'est comme s'ils étaient là ce jour-là. Romains chapitre 3. Itawekewa Roma sura yake ya tatu. Verset 23. Musara 23. Car tous sont péchés. Kwa sababu watu wote walitenda dhambi. Et sont privés de la gloire de Dieu. Na banakosewa sasa utukufu wa Mungu. Toujours Romains chapitre 5. Wa Roma sura ya 5 verset 12 à 14. Musara 12 paka 14. C'est pourquoi Musara 12 njo kwa maana comme paraissait l'homme le péché est entré dans le monde. Sasa vile kupitia mtu moya dhambi ingia mdunia. Et par le péché la mort. Na vile upile kutokea dhambi lufu ikaingia. Et que si la mort s'est étendue sur tous les hommes. Na njo vile lufu inaanza papa watu wote. Parce que tous sont péchés. Le verset 14. Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Lequel est la figure de celui qui devait venir. Nous tous, nous avions péché en Adam. Et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous sommes condamnables comme Adam l'a été. Personne n'échappe. Nous naissons avec ça. Nous naissons avec les péchés dans notre sang. C'est pourquoi même le bébé qui naît là, qui n'ont pas encore de conscience, ce ne sont pas des anges. Ils ont le péché en eux. Je vous donne l'exemple. Une mère a son enfant. Cet enfant-là a souillé ses couches. La maman s'est dit, Mama anasema, je vais nettoyer ima kushi mtoto arisuye. Je vais nettoyer le kushi suye pa mon bébé. Pendant que la maman nettoie le kushi là, wakati mama yako na fula makushi, ikama, l'enfant commence à pleurer. Mtoto anaanza kulia. Il a besoin de tété. Yako napenda kunyonya. Il a besoin d'être près de sa maman. Yako napenda kuwa karibu ya mama yake, mama yake mon bébé. Mais maman est occupée. Hasa mama yako na kazi ya kufula. Et la maman s'est dit, mama anasema, il faut que je termine ce que je suis en train de faire. Muzuri nimalize mbele kazi ya kufula. Parce que comme il y a la pluie. Kwa maana hivi mvula inafunga. Mtoto wangu atashinda pa kulalia. Mwana mfano hapa de couche. Pendant que vous le suivez, l'enfant pleure là-bas. Wakati mama yako na fula manguo. Et lorsque vous terminez. Kisha kumaliza kufula. Vous revenez vers votre bébé. Unaenda sasa kwenye kwa mtoto yako. Na mapendo yote. Avec tout amour. Vous voulez maintenant l'embrasser, le prendre dans vos bras, vous tenez que ce chiquier est bien, pour le bercer, quand vous lui donnez le sein pour têter, l'enfant refuse, le visage refuse, il est tout mécontent. L'enfant refuse. Mais qui a appris à cet enfant-là à fonger en sourd? L'enfant n'est jamais allé à l'école. Il ne connaît même pas parler. Il est né avec ça. Anazali wa nazambi. Nous naissons avec ça. Tukonazali wa nazambi. Toute la race humaine était entraînée dans le péché. Et aucun homme ne pouvait aider notre homme. Non, frère. Akuna.
dans cet état-là de péché, mutu mwile hali ya mtenda zambi, dans cet état-là de séparation d'avec Dieu, mwile hali ya likuwa mwenye kutengana na Mungu, lorsqu'il trouve grâce devant Dieu, wakati alipata neema mbele ya Mungu, et rencontre le Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha, na kisha kukutana na Bwana Yesu Kristo kumsalaba wa Golgotha, là Dieu lui donne un cœur nouveau et un esprit nouveau pour qu'il parvienne maintenant à la nouvelle naissance. Personne ne pouvait nous aider. Seulement Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4. Matendo ya mitume sura yake ya 4. Verset 12. Musoro wa 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Okova ina mamutu mwingine. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Kwa maana chini ya mbingu hakuna jina lingine. Il est donné parmi les hommes. Ile liletwa ilipewa kati ya watu. Par lequel nous devions être sauvés. Kwa njia yayo ile jina tulipashwa kuokolewa. Hébreux. Hebrewia, chapitre 9. Sura yake ya 9. Verset 26. Musa na 26. Autrement, kwa kinyume basi, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois. Il y fait pas écouter son mara mingi. Depuis la création du monde. Tangia dunia kumbwa. Mais maintenant, à la fin du siècle, Japapa sasa kumwisha vizazi, il apparut une seule fois pour effacer les péchés par son sacrifice. Alikuya alionekana mara moja juu ya kufuta zambi kupitia sadaka yake. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, sa vile napewa kubatu kufa mara moja. Après quoi vient le jugement? De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de beaucoup d'hommes apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Lorsque vous mettez la foi wakati munaweka imani dans cette œuvre là qui était pleinement accomplie à la croix de Golgotha, mukazi ilitimizwa kayote musalaba Golgotha, le Seigneur pardonne vos péchés, ni pale sasa Bwana atasamehe dhambi yenu, et il vous donne un cœur nouveau, atampatishia moyo mpya, et un esprit nouveau, na roho mpya, et vous naissez de nouveau, na pale mtazaliwa mara ya pili. Là maintenant vous êtes une nouvelle créature, ni mwile wakati sasa utakuwa kiumbe kipya. Vous n'êtes plus cet homme-là ancien. Non, frère. Apana ndugu. D'abord, pas que vous serez lancé. Aina kusema utarefuka tena. Ou vous allez ajouter quelques poids à votre poids initial. Apa utaongeza, utakuwa kilo, utakuwa na kilo mingi tena. Non, kule, physiquement, vous restez tel que vous êtes. Utabakia tu ule tu. Seulement umwili. Là, à l'intérieur. Alakini ni ndani. Dieu opère quelque chose. Jamwene Mungu atafanya kitu kingine. Que lui-même appelle une œuvre étrange. Jo kile kitu yepeke koneta ki kazi le bato mazomelei. Même ceux-là qui vous connaissaient autrefois, quand ils vous voient aujourd'hui, ils diront réellement cet homme a changé. Réellement cet homme a changé. Alléluia. Alléluia. Et la nouvelle naissance, ce n'est pas la réforme de la vieille nature. Aina sema ile hali yako ya zamani itabadilika. Ule reforme du vieil homme. Hao ule mtu wako wa zamani utabadilika. Non frère. Hapana. Mais la nouvelle naissance. Kuzaliwa mara ya pili. C'est un acte créateur de Dieu. Ni Mungu yapeka nyoka naomba kile kitu. Au moyen de sa parole. Kupitia neno lake. C'est-à-dire Dieu crée un autre homme. Ni kusema Mungu anaomba mtu mwingine. Il crée une autre femme. Anaomba mwanaume mwingine na mwanamke mwingine. Qui est pratiquement différent ya ule wa zamani. Ule anachana anazamani. Alors tout ce que vous aimiez lorsque vous étiez dans le monde, tout ce que vous vouliez alors que vous ne connaissiez pas encore Christ, vous allez tout abandonner. La réforme ici c'est quoi? La réforme
kutengeneza ule mtu wa zamani, la réforme. Pour naître de nouveau, il faut rencontrer le Seigneur Jésus. Je vais vous donner un exemple. Confano. Vous avez votre soeur Kuna dada yako. Qui a une mauvaise vie de prostituée. Ndumba njo maisha yake. Tout ça vous fait très mal dans votre cœur quand vous voyez ça. Wakati unaona maisha yako unafanya huko na teswa sana moroho yako. Alors vous allez voir votre sœur. Unaenda kumuona dada yako. Et pourquoi est-ce que tu fais ça? Sasa nini uko nafanya maisha busharati? Tu fais honte à notre famille. Iko natuletea ya mjamaa yetu. Ce n'est pas bien. Haina mzuri. Mon grand frère, je fais ça parce que je n'ai pas d'argent. Dada yako anasani kwa fanya maisha bunduma juu sina na pesa. Si vous me donnez un capital, je serai commerçant, je vais abandonner. Ukinipatisha franc au mtaani nitakuwa commerçant tacha vitu yote. La femme ne pêche pas parce qu'il n'a pas d'argent. Wanaume wanamuke ateni zambi juu ana na pesa. L'homme pêche parce qu'il est lié au péché. Mutu yako natenda zambi juu yako kwa kufa kwa zambi. L'homme pêche parce qu'il est esclave du péché. Mutu yako natenda zambi juu yako mtumwa wa zambi. Vous prenez l'argent, vous lui donnez. Unampaisha feza. Et un dimanche. Na moyenga. Elle met aussi une longue jupe. Anavala na jupe mrefu. Elle s'habille très bien. Anavala mzuri. Elle prend aussi une Bible. Anavala na Biblia. Et elle va dans une église. Anaenda mkanisa moya hivi. Elle commence aussi à apprendre comment prier. Na anajifundisha namna gani kuanza kuomba. Cette femme-là n'a pas changé. Ule mwanamke akubadilika. Elle finira par retourner à son ancienne vie. Kumbusha atarudia kule maisha yake ya zamani. Si vous voulez qu'elle change. Kama unapenda badilike. Présentez-lui le Seigneur Jésus-Christ. Umubiri Yesu Kristo. C'est lui qui transforme l'homme. Yesu Kristo akamkubadilisha mtu. C'est lui qui transforme la femme. Yesu Kristo akamkubadilisha mwanaume na mwanamke. Même si cette femme là faisait 10 ans dans cette église là. Hata kama mwanamke ndumba anafanya miaka 10 mwele kanisa. Sans pour autant se prostituer. Hata kama atendi tena zambi ya busharati. Mais rassurez-vous. Lakini mjue. Aussi longtemps. Wakati yote. Qu'elle ne rencontrera pas Christ. Atakuwa yakutana na Yesu Kristo. Elle retournera à son ancienne vie. Atarudi yaka kwa maisha yake ya zamani ya ndumba. Même là où elle va faire le commerce là-bas. Atakule atenda kufanya biashara yake commerce. Elle trouvera là-bas les amants. Atakuta kule babala. Elle va reprendre sa vie. Na tanzulula maisha yake ndumba. Mais si c'est une femme. Lakini kama ile mwanamke. Qui a réellement rencontré Dieu. Alikutana bia kweli na Mungu. Même si elle est seule. Atakama nakutanika fasi yake yeye moyo. Atachunga neno la Mungu. Même si elle est en crise. Atakama ana feza. Elle va se prostituer pour avoir de l'argent. Atafanya bundumba juu kupata feza. Atasema s'il faut kufa ni kufa na njala. Et dira autant que je meurs. Mais que je garde l'honneur du Seigneur Jésus. Ni mzuri kuchunga heshima ya Yesu. C'est ça, frère. Jovile. On ne pêche pas parce qu'on est pauvre. Batu abatendi zambi. Atumaji kutenda zambi juu kwa mashikini. Apan? Non. L'homme pêche. Mutu yako natenda zambi. Parce qu'il est lié au péché. Je kwenye kufungwa ku zambi. Et pour que les maliens ya zambi anguke. Et pour que ces liens de péché soient brisés, tombent. Il lui faut rencontrer le Seigneur Jésus. Anapasha kukutana na Bwana Yesu Kristo. C'est lui qui transforme le genre. Ni Yesu nyeka mkubadilisha batu. Il opère là à l'intérieur là. Ni kule ndani nje kuna tengeneza. Il enlève l'ancien cœur. Eko natosha ile moyo ya zamani. Il enlève l'ancien esprit. Eko natosha ile roho ya zamani. Et à la place, il met un nouveau esprit. Na kisha pa ile fasi palikuwa roho ya zamani ileta roho mpya. Na fasi ya moyo ya zamani ileta moyo mpya kwa maana ndani ya moyo wake wa zamani. Que l'ancien cœur. Comment le moyo wake wa zamani. Et l'ancien esprit. Na ile roho yake ya zamani. Sont liés à la poubelle. Bilianza kupenda biozo vitu vya uchafu. Sont liés au péché. Bilianza kupenda zambi. Cette fois. Sasa. Dieu crée un autre homme. Mungu sasa ataumba mtu mpya. Même si c'était un grand voleur. Hata kama ile mtu alikuwa mwizi wa mnene. Kwa chance kuingia kwake. Kama anaingia kwake au si te trouve une ta poule, il va l'attraper. Mais dès lors où il rencontre le Seigneur Jésus. Kisha kukutana na Bwana Yesu. Huko atalala hata kwa mlango yake. Ta poule peut passer nuit chez lui. Tena utampata kesho. Et demain tu l'auras. Utajiuliza u Bwana ni nini? Tu peux te demander pourquoi n'a-t-il pas mangé bouffé ma poule? Christ a opéré quelque chose. C'est parce que Christ aisha fanya kitu kwa ndani ya maisha yake. Et tout homme qui vient à Christ. Na mtu wote anamwamini Yesu Kristo. Il doit faire cette expérience avec Dieu. Anapaswa kufanya ile onjo na Mungu. Frères et sœurs, c'est une obligation. Wandugu wadada hiyo ni shurti. Nous devons faire cette expérience avec Dieu. Tunapaswa kufanya ile onjo na Mungu wetu. Notre Dieu est vivant. Mungu wetu yuko mzima. Et il veut que nous l'expérimentions tous les jours de notre vie. Na iko napenda tuanze kumuonja masiku yote tungali wazima. Avec les péchés, on ne fait pas semblant. Kama uko na zambi usifanye sambla sauna nayo.
Ne faites pas semblant. Usianze kufanya sawa leo na Zambi. Parce que votre péché là va vous atteindre un jour. Kwa maana ile Zambi yako siku moja itakufataka. Et vous aurez honte. Na utapataka haya. On doit rencontrer Christ. Tunapaswa kukutana na Kristo. Mais il y a une question que nous nous posons. Kukuuliza utakaka mkujiuliza. Pourquoi les gens vont dans des églises? Je ne bats pas dans des églises. Ils chantent même dans des chorales. Je ne bats pas dans des chorales. Mais ils sont toujours le même. La kine bako bale bale bato maisha zamani. Ils font même des veillées, des prières. Bako nafanya makesha ya maombi. Ils vont dans des montagnes. Bako nenda kuma milima. Ils chantent. Bako naimba. Ils dansent. Bako naimba. Chesa. Mais quand elles sortent de l'église, wakati wanatoka makanisa, c'est la même femme qui injurie. Ni bale bale wanamuke ba matushi. C'est le même homme voleur. Frère, tous les bandits armés que vous voyez ici, ne pensez pas qu'ils ne vont pas dans des églises. Ils vont dans des églises. Il y en a qui chantent même dans des chorales. Et quand la nuit arrive, usiku, il va prendre une machette. Anabeba mipanga. Il va prendre une arme à feu. Anabeba bunduki. Et il va percer la maison d'un paisible. Et le dimanche, na moyenga, celui qui entonne le cantique, celui qui dirige la chorale, celui qui danse en premier, tout ça ne peut vous servir à rien. Il est yote, misaidia kukitu. C'est quelque chose. C'est rencontrer le Seigneur Jésus. Ni kukutana na Bwana Yesu. Pourquoi? Juu ya nini? Les gens sont les mêmes. Batu beko bale bale wa maisha zamani. C'est trop simple. Jibu iko mwepesi. Ils n'ont jamais rencontré Dieu. Ni joba kukutanaka na Mungu. Ils n'ont jamais rencontré Dieu. Aba yakutanaka na Mungu. Les gens se plaisent de chanter. Batu beko na furahikia vile beko naimba. Ils se contentent de prêcher. Beko na furahikia vile beko naubiri. Mais quand vous regardez sa vie, ukiangalia tu maisha yabo, elle est loin d'être comparable à la parole de Dieu. Maisha yabo yambatani na neno la Mungu. Oh non. Oh. Ne regardez pas ma vie. Beko nasema usiangalie maisha yangu. Regardez seulement ce que je vous dis. Lakini mufuate tu vile niko namwambia. Nous allons faire les deux. Sisi tutakuangalia maisha yako na tutafuta vile uko nasema. Tutasikia vile uko natuambia. Nous verrons aussi sur ta vie. Na tuko na kesha pa maisha yako. Ce qui est très important. Jenye kwa mafaa sana. Ils n'ont jamais reçu de cœur nouveau. Ils n'ont jamais reçu un esprit nouveau. C'est pourquoi ils sont encore liés là-bas. Et étant liés par les péchés, ils amènent maintenant la mondanité dans l'église. Voyez. Elle vient chanter. Mais mini-jipe. Avec des hauts talons. C'est elle qui chante soprano. Ule dada mwanamke mwenye kuvaa vile joko na soprano. Na iko na sauti mzuri sana ya kuimba. Kisha yeye kutoka na mtoto mwanamke. Iko naishi kama demo. Itakusaidia kuni. Ça te servira quoi? Mieux vaut ne pas être chantre. Ni mzuri usikue mwimbaji mkwaya. Mais être sauvé. Lakini ushokolewa lwako. Mieux vaut ne pas être prédicateur. Ni mzuri usikue mhubiri. Mais être un véritable fils de Dieu. Lakini uko mtoto wa Mungu wa kweli. Parce que faire prêcher ça ne me sauvera pas. Comme la kuhubiri haitaniokoa. Prêcher ça ne nous sauvera pas. Kuhubiri. Mais c'est lui qui nous sauve. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Kuhubiri haitakokoa la kwenye kutokoa ni Bwana Yesu Kristo. Les hommes veulent se sauver eux-mêmes. Bato wanapenda kujokoa wao wenyewe. No! Hapana. Vous serez surpris et troublé un jour. Mutashitukaka siku moja mtapata kaya. Laissons-nous sauver par le Seigneur Jésus. Tuchiachilie Bwana Yesu Kristo atuokoe. Oh non, Mungu eko ni muro. Oh Dieu, c'est dans le cœur. Asina inji hapa. Il n'est pas au dehors. Mais nous croyons que c'est une aminini. Si réellement Dieu est dans votre cœur, kama kweli kweli Mungu yuko moyo wako, Dieu là ule va Mungu se manifester au dehors. Ataonekana nje. La preuve que vous avez déjà rencontré le Seigneur Jésus. Ala mele tonesha sema ushakutanaka na Bwana Yesu Kristo. Essayez vous-même de prendre votre vie. Wewe ba wewe mwenyewe maisha yako. Et la mirez devant la parole de Dieu. Na ulete maisha yako ilinganishe kuneno la Mungu. Regardez ce que vous étiez autrefois. Angalia kile ulikuwa kwa zamani. Et ce que vous êtes aujourd'hui. Na kile uko leo. Hauna besoin tukusukume no. On n'a pas besoin de compter pouce. Tu n'as pas besoin de compter pouce. Mais sukwe sincère. Sois sincère. Il est des frères.
Il y a aussi des sœurs qui sont hypocrites à l'égard d'eux-mêmes. Mais tu n'as tout bien. Tu te connais, non? Tu n'as jamais rencontré Christ. Tu fais semblant. Tu ne l'as jamais rencontré. Tu n'as jamais fait une œuvre inouïe dans ton cœur. Tu es cette même femme-là. Têtu à l'égard de son mari. Quand le mari dit droite, toi tu fais gauche. Mais tu chantes quand même à la chorale. Toi tu penses que Dieu va regarder le chant ilo kunaimba? Dieu ne connaît pas les chants. Dieu n'est pas le prédicateur. Mungu mambo Dieu connaît mungali. Sa parole. Mungu ajui, mimbo ajui. Alors, mubiri, quand, mungu est-ce que, quand est-ce que nous pouvons nous tenir devant Dieu? Wakati kanaweza kusimama mbele ya Mungu? Et subsister. Na kubaki hapo. Lorsque nous gardons sa parole dans nos cœurs. Ni wakati tunachunga neno lake ndani ya mioyo yetu. Non, moi je suis chantre. Oh, mimi niko mwimbaji wangu. Je suis prédicateur. Mimi niko mhubiri. Serai réprouvé ce jour. Il est si comme on katukatala katakukana. L'homme vit selon l'esprit qui est en lui. Mtu yuko naishi kufuatana ile roho iko ndani yake. Si c'est l'esprit du monde. Kama ni roho ya dunia yuko ndani yake. On le voit. Mtaona ile roho. Par votre manière de vous comporter. Tutaona ile roho kupitia maisha yako. On le voit. Tutaona ile roho. Par votre manière de vous habiller, messieurs. Kupitia mvalio wako. La vie chrétienne c'est une vie. Maisha bukrisu ni maisha. Ce ne sont pas des camisoles. Aina maliba ya. Ce ne sont pas des longues jupes. Aina majupe ya murefu. Mais c'est une vie qu'il faut vivre. Lakini ni maisha tunapaswa kuishi. C'est une vie qu'il faut mener. Lakini maisha tunapaswa kuishi. Il y a des parents qui se plaignent. Kuko bazazi beko na tompola. Sa fille quitte la maison. Watoto yake wanaona kwa tokoma. Nyumba majupe ya murefu. Elle va au campus là-bas. Anaenda au campus ku université. Elle est en pantalon. Elle a quoi mon pantalon? C'est le pantalon de l'autre gars. D'où vient le pantalon qu'elle a mis là? Il n'a pas qu'à wapi. D'où vient ce pantalon là? Où est-ce qu'elle a trouvé? Quand elle arrive au campus là-bas, à qui vient à tout campus? Elle enlève sa veste. Elle a touché sa veste. Tout son corps est à nu. Elle a voilà sa body. Mais quand même, elle s'appelle chrétienne. Attends, qu'on a dit, t'as oublié d'aller s'animer au Christ. C'est-à-dire, elle se sauve elle-même. Ne coupez pas les moyens de aller jokoa. Alléluia. Amen. Vous pouvez chanter combien vous êtes chrétien. Combien Christu. Vous êtes chrétien. Mais Christu, nous Christu. Ici. Si. Là où vous avez rencontré Christ, nous on n'était pas là. Il est face le wakati na Christ. Mais il y a une seule preuve. Lakini kuko toi la matumoya. Il peut nous certifier. Il est à côté qui kishia. Que réellement cet homme. Asima kweli huyu ndugu. Ou cette femme. Aoudada. A réellement rencontré Dieu. Alikutana na Mungu. Et c'est la vie. Ni maisha yako yenye utaishi. Et ça frère. Joalama. Le frère Branham dit. Du Branham yuko nasema. Dans le message je crois la soif. Mwile ujume na wazakiu. Il dit. Anasema. Par les désirs que vous avez. Kupitia le mania uko nayo. De par ce que vous aimez là. Na kupitia vile utu napendaka. Vous prouvez au monde. Muko naonesha dunia. Ou vous prouvez aux gens du monde. Na muko naonesha kubatu ya dunia. Qui règne sur votre cœur. Ni nani ni kitu gani kile kutawala moyo wako. Qui est assis sur le trône de votre cœur. Ni nani mwenye kunaikala kukile kiti kia moyo wako. Si c'est le monde. Kama ni dunia inakutawala. Nous le voyons par votre accoutrement. Tutaona kupitia mvalio wako. Est-ce que jusqu'aujourd'hui? Je kufika na leo. Il faut poser les questions du genre. Naweza kuuliza hii ulizo sawa. Pasteur, jipe ya mrefu ni ya kupita magoti au ya yule ya magoti? Oh pasteur, jipe mrefu ni yenye kwa au-dessus des genoux ou en dessous des genoux? Est-ce qu'il faut poser ces questions là aujourd'hui? Je njo ulizo naweza kuuliza pasteur leo. Il y a certaines questions qu'on ne peut pas poser. Kuko maulizo mengine hapo shwa atakuuliza. Parce que le Saint-Esprit en vous s'en occupe déjà. Kwa maana Roho Mtakatifu ndani yako alisha kulepasha majibu. Si je suis une fille de Dieu. Kama niko mtoto mwanamke wa Mungu. Après avoir pris bain. Kisha mimi kuoka kunawa. J'entre maintenant dans ma chambre. Naingia mshambre yangu. J'ouvre ma garde-robe. Na fungula kabati yangu. Je prends
une robe ou une jupe. Na beba kanzu au jupe. Quand je soulève la jupe ou la robe. Comme il est là à l'intérieur. Il me dit ça non. Je n'ai pas besoin, s'il vous plaît. Que le diable vienne m'arrêter à la porte. Je m'assis à quelqu'un des billets à Kumulango, à Samadana au Singem Kanisa. Il y a d'autres tâches auxquelles les diacres doivent s'employer. Il y a de ces sœurs là qu'on force à porter de longues jupes. Et ayant déjà mis cette longue jupe, elle est entre ses pieds. Elle dit même avec ses longues jupes qui traînent, qui balaient les routes, les rues. Je ne sais pas pourquoi on m'a forcé de porter cette longue jupe. Mais Dieu connaît ton cœur. Tu ne dois pas faire les choses par contrainte. Dieu lui-même n'est pas dictateur. Il vous présente sa parole. Et il vous laisse le libre arbitre. Vous avez le droit de choisir la parole. Ou de choisir le monde. Mais nous, si nous verrons. Tutaona. Par vos agissements. Kupitia matendo yako. Aujourd'hui, si vous voulez avoir des problèmes avec les sœurs. Kama leo napenda kuchokoza badada. Touchez à leurs cheveux. Anza kukufoka kumambo ya nywele yabo. Là vous aurez des problèmes. Kemea nywele yabo pale abata kuvumilia. Mais quand vous regardez très bien. Lakini mkisopa mkuangalia mzuri. C'est pratiquement de la mondanité. Niki dunia tu kinaingia. Nous les enfants de Dieu. Si batoto ya Mungu. Quand le monde va à gauche. Wakati dunia inaenda kushoto. Nous allons à droite. Si tunaenda kume. Jamais jour. Akuyako kata siku moja. Nous ferons marche ensemble. Tutatembea pamoja na dunia. Hakuna hata siku moja tutatembea pamoja na dunia. Non frère. Hapana. Il y a même des sœurs par moment qui nous ont choqué. Kuko hata wadada wakati kingine iko na kutukwaza. Et frère parlait dernièrement. Ndugu mwali kwa kuniambia. Il a lu commentaire ya sœur moi par Facebook. Et qu'il a lu les commentaires d'une sœur sur le Facebook. Un homme de Dieu. Était en train, un pasteur était en train de conseiller les sœurs de son église. Pasteur mwali kwa na sharia batoto banamuke mkanisa yake. Il dit sœur. Alibambia hivi asa banada yango. N'allez plus au salon vous faire tresser comme des mondains. Ushaanze kwenda kwa salon de coiffure mwanze kusukisha nywele saba toto banamuke mu dunia. Quand un pasteur parle. Wakati pasteur kona onya. Il s'adresse à son église. Eko naambia batu ya mkanisa yake baminifu mkanisa yake. Mama bila kuinteresser wewe nje tu peux prendre. Si ça t'intéresse, toi, tu n'es pas de cette église, on a kubeba na wewe ile mashauri. Mais il s'adresse à son église. Alakini yako naambia ni baminifu mkanisa yake. Pour qui il va répondre un jour. Juni, jua bale baminifu, jua tasambaka siku moya. Alors cette sœur là a réagi. Sasa ule dada a réagi. Ah, c'est ah, pasteur. Akamosema sa ah, pasteur. Mutakuarisha sasa bantu. Vous allez scandaliser tout le monde. Sauti ya Mungu kama inakukuarisha. Si la parole arrivait à te scandaliser. Je n'ai jamais rencontré Dieu. Ni kusema ya kutanaka na Mungu. Jésus lui-même disait. Yesu alikuwa anasema hivi. Heureux l'homme pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Heureux le mtu kwa kesi kwa kikwazo. Oh Jésus est quoi? Oh Jésus, Jésus c'est sa parole que Yesu ni neno yake tuko naubiri. Si la parole de Dieu. Kama neno ya Mungu. Est devenue une occasion de chute. Inaanza kukualisha. Dada, vous passez votre temps inutilement. Uko napoteza wakati yako wakati unakuja hapa. Et quand vous regardez celle là qui réagit comme ça. Na wakati unaangalia ule dada yako na chiko anafanya commentaire. Plein de ces choses là plein. Ukichwa yake kumameshe kuko ile manyuzi biko tele. Dieu ne peut pas changer sa parole à cause de toi. Mungu atabadilisha kata neno lake juu yako. C'est impossible. Atabadilisha neno lake. Oh Maria, tu as le droit d'accepter ou de refuser. Regardez, tu as le droit d'accepter ou de refuser. Juu yako, ouais, il ne peut pas changer sa parole. À cause de toi, Dieu ne peut jamais changer sa parole. La parole de Dieu demeure éternelle. Neno ya Mungu iko na dumu milele. Amen. Oh non frère. Oh, ibi bana nishuka ibi. Tu vois maîtresse ici, cette coiffure. Ça aide à quoi que l'on a bien mis. Ça m'aide de faire longtemps avec pendant autant de mois. Dieu ignore toutes ces choses, toutes ces explications-là. Ce sont tes propres raisons. Vous êtes allé trop loin, sœur. Oui, c'est normal, ça. Dieu vous aide. Mungu amisaidie. Et que vous puissiez voir. Na upate kuona mzuri. Parce que vous courez un grand danger. Kwa maana ni hatari yenye mutafika mwatari. Je voudrais vous poser une question ce soir. Niko napenda kumiuliza magharibi. Avant de terminer. Bele ya kumaliza.
Pourquoi? Juu ya nini? Est-ce que lorsqu'une femme meurt, wakati mwanamke anakufa, pas avec ces choses? Aba muzika kina bima mechi maperuki na bila manyuzi biote. Pourquoi? Juu ya nini aba muzika kinabio? Pourquoi on l'enterre pas avec? Juu ya nini aba muzika kibanamke na bima mechi na bima peruki? C'est de la beauté. Quand on met ça à la tête d'une femme, et elle se sent vraiment une femme. Mais pourquoi on ne peut pas vous enterrer avec ça? On doit vous défaire ça. Pourquoi on vous défait ça? On ne vous force pas. Non, sinon vous serez hypocrite. Nous, on vous présente la parole de Dieu. Vous-même, en tant que fille de Dieu, choisissez ce qui est bon pour votre vie. Que Dieu vous bénisse richement. Notre temps est arrivé. Fait connaître miel et mimbo. On t'a fait connaître l'homme, c'est que l'Éternel demande de toi, c'est que pratique la justice, mais tu aimes la miséricorde, que tu marches. Tu marches devant avec ton Dieu. Mettons-nous debout. Shima meote. Et prions tous ensemble. Na tuombe wote pamoja.
Muumbaji wa mbingu na dunia. Créateur des cieux et de la terre. Tunakupikia asante na kubariki jina lako takatifu. Bénissons ton saint nom et te disons merci. Kwa hii instruction yote ya neno la Mungu tunapata siku ya leo. Cause de toutes ces instructions de ta parole que nous venons de recevoir ce soir. Baba yetu ulituona. Notre Père, tu nous as vus. Na unatusungumzia kama vile batoto unasunguza nao. Et tu nous as parlé comme un père parle à ses enfants. Seigneur, tunapika asante. Nous te disons merci. Tunakulomba mbele utuhurumie. Nous te demandons pardon. Juu hakuna mtu anaweza kuwa safi mbele ya wewe Mungu. Parce que nul n'est pur devant toi. Kile tu kunakuwa nako mbele ya macho yako. Ces choses que nous amenons devant ta face. Seigneur, utukumbuke mu safari. Père, souviens-toi de nous dans ce voyage. Tunalamusha mikono yako mbele ya wewe Mungu. Nous élevons nos mains vers toi. Juu ya kulia. Plairer. Kutoka hii maneno tunashikia. Conformant ces paroles que nous venons d'entendre. Hatuna na kizuri ndani yetu. Il n'y a rien de bon en nous. Kumbuka dada yangu. Souviens-toi de ma sœur. Kumbuka ndugu yangu. Souviens-toi de mon frère. Tuko na lazima ya kupata Roho Mtakatifu. Nous avons besoin de recevoir le Saint-Esprit. Ndio kitukuzio yetu. C'est celui-là notre objectif. Lakini bila wewe. Mais sans toi. Hakuna kitu tunaweza kufanya. On ne peut rien. Uko Mungu mzima. Tu es le Dieu vivant. Uli mwanga damu. Tu as versé ton sang. Ile siku msalaba. Ce jour-là la croix. Juu ya utakaso yetu. Notre sanctification. Tunakulalamikia magharibi ya leo. Nous crions vers toi ce soir. Na hii malombe tunatula mbele ya macho yako Bwana. Et avec ces requêtes que nous déposons devant toi. Ule mwenye kuwa na lazima baba ya kuavance na weye. Conca le besoin d'avancer avec toi. Baba utukamate kumukono tu avance na weye. Père, tiens-nous par ta main afin que nous avancions avec Dieu, toi. Mwini wakati tuko naishi. Puisque le moment dans lequel nous vivons. Ni wakati mubaya. De les mauvais moments. Shetani iko na winda winda. Les diables rôdent tout autour. Tuhana tena na saa mingi mwi dunia. Parce qu'il n'a plus de temps dans ce monde. Anapenda kukamata mtu na kumrarua. Il veut dévorer les gens. Lakini wewe unatupenda kuna tukalamusha kila siku na kila mara. Et toi comme tu nous aimes, tu nous avertis à tout moment. Utusaidie mfalme na Mungu mpendwa. Voilà notre secours, Père bien-aimé. David anasema hivi. David dit. Natazama macho yangu kumilima. Je lève mes yeux vers les montagnes. Secours yangu inatoka wapi? D'où me viendra le secours? Asema secours yangu inatoka kwa Mungu. David dit que le secours vient de l'Éternel. Ule waliumba mbingu na dunia. Le créateur des cieux et de la terre. Haulalake. Tu ne dors pas. Hausingiziake. Tu somnoles pas. Macho yako iko wazi. Tu Et que tes yeux veillent encore sur nos vies. Et que nous arrivions à la perfection. Voilà notre objectif. Voilà notre demande. Voilà nos plaires. Ton serviteur a diminué et vient de parler ta part. Quand il va entrer pour méditer, puissant pour lui donner. Et quand il viendra encore, se tiendra debout de nos paroles de grâce pour que nous soyons édifiés. Bariki ba conducteur yetu. Béni nos conducteurs. Ni bantu bwana. Sont des humains. Donne-leur la force et la capacité de nous aider dans ces voyages. Maintenant, nous voulons sortir et rentrer dans nos maisons. Et quand on arrivera dans nos maisons, et que cette parole profonde, que tu puisses l'écrire dans nos cœurs, et que nous la méditions jour et nuit. Merci. Fanya vile juu ya utukufu yako. Pesla pour la gloire de Dieu. Juu ya furaha yetu. Pour notre joie. Na juu ya haya shetani. Et pour la honte du diable. Ima chacho ikubali kuketi ya ezi. Exauce. Juu tunailoma na imani. Parce qu'on le demande avec foi. Jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus Christ. Amen. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana wabariki. Notre frère Katembo Wanzu le diacre. Elle a été agressée la nuit du lundi au mardi. Kombanisha, il est aussi qu'il y a Kazimoja, Kazimil. Ils sont entrés dans sa maison. Abandi balingia munyumba yake. Ils ont emporté une somme d'argent, quelques appareils cellulaires. Balibeba feza na masimu. Mais nous remercions le Seigneur parce qu'ils sont tous en bonne santé. Et Dieu a préservé leur vie. Mungu alipusha maisha yabo beko mwafia njema. Ok, tei. Il y a. Le frère Papi Kalema, donc Papi Kalema et la sœur Magui, la dada Magui, ils annoncent le décès de leur beau-frère et jeune frère. Tangazia kifo ya shemeki yabo na mudogo yabo. Le corps est gardé à la morgue de clinique universitaire. Oui, le morgue à clinique universitaire. Et l'enterrement aura lieu demain jeudi. Batamuzika kesho mukazine. Le prêt du corps à 11h. Atatosha mwili ma 11h. Et une mention à Kasangiri. Batamuzika Kasangiri. Adresse du deuil. Passez-vous Kilio. Avenue Manika numéro 3124. Avenue Manika numéro 3124. Référence avenue du 30 juin. Puis à Koufika, on a fait comme avenue du 30 juin.
Numéro de téléphone du frère Papi. Namba ya simu ya ndugu Papi. 0814 050 050 709 709. 0997 0997 024 024 410 410. Et la sœur Magui. La dada Magui. 0997 0997 208 208 177 177. Allez avec la paix du Seigneur. Wende na salama ya bwana. Yeah.
Yesu tawala tawala o tawala kiburi changu Yesu tawala 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 maisha yangu Yesu tawala tawala o tawala mawazo yangu Yesu tawala 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 maisha yangu Yesu tawala Maisha yangu Yesu tawala tawala oh tawala roho yangu Yesu tawala 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 maisha yangu Yesu tawala tawala oh tawala mwili wangu Yesu tawala 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 maisha yangu Yesu tawala